Re-YouTube. Alors qu'on m'informe que si je laisse appuyer sur LB, ça se trouve, je peux me heal. Ah non, ça a pas l'air clair. Bon. Quoi qu'il en soit, nous sommes de retour pour doser. Merci l'IPSV au team, donc. Vous êtes ici. Et Castral Rocklord pour les Prime, ainsi que Tori pour son deuxième siècle. Merci pour tous vos resubs. Nous y sommes. Nous allons continuer et essayer d'avoir une partie aussi folle que l'autre. Quelle vie! Ah, c'est O-Team donc, récemment sub, qui est notre poulet. Speedrun, je pense pas parce que là j'ai fait pause, à mon avis le timer... Je l'ai le timer là? Quartier des prisonniers, 0 secondes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... C'est... Ah, c'est tant qu'on n'a pas passé la porte après ça, on essaie de speedrun? Allez, c'est parti, je speedrun. Le grimoire, c'est à vous de jouer. Égout toxique. 29 secondes. Moi j'ai rien du tout. J'espère que c'était cool le piège à loup et il n'y avait pas de malus. On a mis de la brutalité, hein, bon. Mais c'est quoi? C'est que de la merde? Oui, c'est que de la merde. C'est en pause, ouais. Je suis à 29 secondes de run, donc normalement la porte de speedrun elle est proche du début. Ah oui, je peux sauter plusieurs fois en l'air. Oh, j'espère qu'on a pris les jumps. C'est quoi, j'ai triple saut du coup? Un, deux, trois, quatre. Ah oui, quatre sauts, mais c'est des très petits sauts après. C'est cool. C'est pas un malus au moins. Non, c'est là. Ah ah! Nous avons débloqué la porte minute. Allez, un livre de la communauté une fois de plus. Moult argent. Ah d'accord, merde, j'aurais dû bourrer. Ça c'est vraiment si on est très très rapide. Eh ben on obtient des orbes. Ok, cool. Nice, 14 orbes gratos donc. Merci, 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 merci. Et c'est Zantior le poulet. Regardez, il n'y a personne. Ouais, faudrait que j'élucide ce mystère là aussi, des égouts là, bordel. Et en fait, je peux toujours continuer dans cette optique là, vu qu'il y a d'autres portes encore derrière. Oui, non, c'est les pièges que j'espère. Oh là là! Dommage pour le petit poison. Oui, bien sûr. Grimoire. Je m'accroche à la vie. Des pièges. Survie donc. Des points de vie, ok. Oh le grimoire, gratos. On est content. Thank you.
Il faut que je fasse gaffe si je vois pas des trucs à choper. Oh là là, je vais demander ma potion parce que je fais de la merde. Zantior, tu peux me soigner. Je compte sur toi. Même si pour le coup, j'avais pas forcément besoin. Ah si, Zantior. Ah, il y a un gros délai, hein. Le schéma de l'autobalette double. Plutôt bien géré. Par contre, je perds du temps. Là, pour le deuxième speedrun, ça me paraît compliqué. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est débloquer le truc qu'on peut débloquer dans ce niveau. J'avance peut-être trop vite, je fais pas gaffe aux éventuels trucs que je peux... Ah, ça me donne plus 1 d'attaque ou j'avais déjà ce bonus sur moi là? Ce plus 1. Genre ça, je peux pas regarder, non? Et que les portes et les grilles. Compte sur vous là, un pan pif boum, ça va être à haut de jouer, hein. Au taquet, je pose mes pièges. Et évidemment, il est là. J'ai mal. Mais vous l'avez fait. Bravo à vous, la commune. Piège à loup, plus 100 pour ça, hein, 100 de dégâts sur cible qui double. On est bien. Ah, c'est tantôt vert, tantôt violet, donc c'est survie et technique. Ou ma vie, c'est de la merde. Mais double piège, putain, mais les pièges, c'est pas mes trucs. Ouvrez-moi, bordel. Ah, c'est la porte 1. Là, il y a que un truc. Il n'y en avait pas 3 des symboles sur l'autre. C'est un truc de merde où faut faire dans l'ordre. Oh là là, oh j'ai mal. Oh j'ai voulu remonter. Je suis mort comme un caca. Je sais que tout ce que vous envoyez comme menace et comme taunts, ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de l'amour mal dissimulé. C'est de l'amour qui sort en haine car vous n'avez pas les mots. Merci à Chimère51. Tu es mon poulet. Ah, j'aurais pu rejouer speedrun, hein, c'était pas mal tout à l'heure. Quoique, entre guillemets, je suis mort comme un caca derrière quand même. Donc, c'était sympa d'avoir les orbes, mais j'ai jamais pu les dépenser vu que je suis mort. Donc, c'est discutable. Très discutable. Par pitié. Recycler ce petit soin. Grimoire, c'est oui. Grenade. Ok. Un saphir. Regrimoire. On va enchaîner. Enfin, je reviens en arrière, il y a un TP que j'ai pas ouvert. Les victimes brûlent sur le tranche ligament 2. 100% de dégâts sur cible empoisonnée, gel les victimes. Je vous avoue être assez fan du tranche ligament. Hein. Pour l'instant, vous m'avez mis full brutalité. On va jouer grenade. La promenade.
Je suis à combien de temps là? 2 minutes. Je crois que 2 minutes c'est déjà mort. De toute façon on veut faire les égouts hein. Même si pour l'instant... aucune idée de ce qu'on doit faire. Ouais t'es pédé. Ah y'a un coffre. Y'a un coffre fou. GL, merci. Attention, pam pif pam boum, poc, selon ce qui se passe. Oh là là. Ah mais je le tue hein, c'est moi qui le tue en vrai. Merci, la commu. Piège à loup 2. Genre 6. Ah quoi qu'il y avait un combo, hein, 100% sur ce qui brûle, bon c'est pas grave. Je reste sur mes grenades, ce sera plus simple à utiliser au final. Les égouts sont là. C'est mort pour le speedrun, est-ce que j'avais encore quelque chose à voir là? Ouais là. C'est tout? Ah. Putain et ça là. Terrible. Non. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, j'ai testé de me soigner tout seul, non. Testons là, je laisse appuyer. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais là, non, là ça n'a rien à voir, j'avais plus de poulet. Donc cette info est fausse. Terrible. Ah, j'ai les jumps encore. Ah ouais, soyez cool. On prend l'enchaînement. Sans l'yolo. J'espère que je ne me reviendrai pas. Bon, il faut que je découvre, sans me faire spoiler, les mystères de ces égouts. Merci Vegaping pour le Prime. Kaitos22 pour les 500 bitcoins. Toribé qui fête son 2e siècle. Merci. Pourquoi ne pas prendre la raison? On l'a pris une fois, c'est vrai que c'était bien, mais moi je suis un aventurier. Vous étiez en retard de 1 minute et 8 secondes, donc c'est. C'est bien ça, hein, c'est 2 minutes. Quel con mes grenades, bordel! Jeune des victimes, bombe givrante 2. Allez. Pas de synergie, mais bon, c'est puissant quand même. Même si le cooldown est plus long, c'est pour ça qu'on n'a pas de synergie. Très bien. Grimoire. Je ne compte rien faire, merci monsieur Tortue. Ah du coup je vais tester. Je laisse appuyer sur L1. Ah ça ne fonctionne pas. Ah merde du coup il va le faire. Parce que c'était un faux troll. C'est un mec sympa. Vous avez vu comment j'y crois? Hein? Yes. What? Ok un bouclier. Qui a duré une seconde. C'est mitigé. À gauche, au haut de la carte, j'ai le timer. Ah oui, je suis con. Enfin, à droite. Pour le coup. Aïe, aïe. Quel con, tout à l'envers. Bon, je vais redemander un soin, voir si... Monsieur Tortue est vraiment... un sale. Ah, merci, Monsieur Tortue. Je savais que t'étais un vrai.
Il est combien le heal? C'est un pourcentage, mais je ne saurais dire. Ah oui, c'est vrai que j'ai quadruple saut. Ça là, on peut interagir avec ça, il n'y a personne. Mais c'est quand qu'il y aura quelqu'un? Ah oui, le 1, c'est quand j'enchaîne mes wombos. Je préfère Zerata. Salaud. Tout le monde préfère Adrien, c'est terrible. Merde, attendez. Il y a rien là. Ah ? Un passage secret du schnapps encore ? Apparemment non. Bonjour. Je commence à être plus à l'aise, hein. C'est jouissif une fois qu'on commence à être plus à l'aise avec les contrôles. Fallait le faire tout de suite, c'est un peu dommage. C'est tentant d'aller voir si à côté de la cible il n'y a pas un passage. Non, c'est une connerie. C'est une connerie. Et j'ai voulu le faire. Attention derrière toi. Attention derrière toi, c'est affreux. Merde. Ça fait réagir avec cette merde là? Pas du tout. Oh non mais non! Y'a rien à regarder, non. Mais quel con! Oui. En effet. On avait tout fait là, de toute façon. En bas à gauche. Ça. Ah! Je vais pas m'énerver. La France est plus forte que mes erreurs. Ah! Oui? Où ça? Un peu plus bas. Sa ruine est par là, avec le truc tête de mort. Tu n'as rien à craindre. Ok. Une méchante bait. Je peux frotter ça, ça me sert à quelque chose, j'en sais rien. Soin, soin, pli, soin! Mais qu'est-ce que je veux dire? Je vais pas m'énerver. Il y avait le poulet. C'est Nakal, notre poulet. Compte sur toi. Ouais, je trouve une arme quand même sympa dès le début, quoi. Je t'aime. Ah, merci. Pareillement. Bon, là, tant pis. Hein. J'ai décidé de me fight, donc c'est fini pour... Je ne tenterai pas le speedrun. C'est vrai que ça peut être rentable après tout, argent et... Ah, attention, on compte sur vous, hein, pif pa boum. C'est à vous de jouer. Aïe. Oh, oh. Et pourquoi ils font pas pif pa boum? Ah, il fallait que je reste prêt. Ah. J'ai besoin d'un soin. Merci. J'ai vraiment fait un bon quoi. Allez, poc... Ah non, celle-là, c'est poc boum crack toc bing. Bravo, vous l'avez fait. Pièges à loup 2, oh les pièges à loup, oh. Pas trop mon délire, hein. Voilà, super, j'ai mis un piège à loup, quoi.
Ah, je suis deg. On était, on allait débloquer un élément pour visiter beaucoup plus de trucs. J'en suis convaincu si on avait battu ce boss qui avait la ruine de l'autre con. Pierre de flèche à fin. Ah oui, l'arc. Il peut y avoir des passages n'importe où, ça m'en fout. Genre là quoi. Sûrement pas. Très bien, les égouts. Mais les 2 minutes sont passées, donc autant clean. Oui, non, d'accord, ok. Putain, j'aurais dû TP. Je pensais que j'avais encore un truc à clean dans ce coin-là. Absolument pas, ma vie est dégueulasse. C'est quoi ça? C'est un truc à ennemi d'élite? Non mais va dans le piège, sinon ça ne sert à rien! Merci. Ah mais il m'attaque quand même au bout d'un moment. Non non, arrête. Mais putain mais... Je demande un soin que j'aurais dû demander il y a longtemps. Un saut supplémentaire dans les airs. Ouah, c'est fou! J'ai mon triple saut. Merci Nakal. 1, 2, 3. Ah, c'est un vrai saut ou... Ouais voilà, c'est vraiment un micro saut en plus. Mais c'est pratique. Ah enfin, notre premier grimoire. Ainsi que de l'argent. Ah putain, j'ai mon piège à loup, putain, mais ça je m'y ferai jamais. Il a pas voulu l'utiliser, pour quelle raison? D'accord. Il l'a utilisé après, et c'était de la merde. Grimoire pour 1650, c'est évidemment un grand oui. Vous m'avez donné la brutalité pour l'instant, et vous avez encore une fois le choix. C'est quoi, juste pour que je vérifie, c'est bien en bas là, c'est encore une histoire de rune de ses morts? Ou juste j'y suis pas allé? J'y suis pas allé. Magasin. Ah, bain de sang 2, c'est bien ça le saignement. Au dac jumelle 2 aussi, ah. Des vers sortent des victimes. Plus 175% de dégâts sur cible gelée, pas de combo possible pour l'instant. On est bien d'accord que... Les verts, c'est positif pour moi. Ouais, bain de sang, c'était très cool, mais les dagues, le potentiel est cool aussi en combo. Allez, partons sur les dagues. Et je vois qu'il y avait des sandales là disponibles. Il y a un passage secret quelque part pour accéder à ces sandales. C'est encore un truc de rune maudite ou il faut que je piffe le bon mur? Vous voyez là sur la map qu'il y a un merdier. Ça va me rendre fou, ça. Non, le problème des boucliers, c'est que moi, ça m'intéresse pas, quoi. C'est que des runes. D'accord. Ok, go.
Merci, petit poulet. Merci, monsieur Gassel, pour le prime. Et Outsider TV pour 500 bitcoins. C'est combien de bitcoins pour bourrer l'urne du poulet? Ce n'est que de la RNG. Ah, le saut, donnez-moi le saut, par pitié. Oh. Vont-ils me donner le saut? On est en full brutalité, je vais encore prendre le truc du DPS. Oui, je ne prends pas la résurrection, oui, je vais mourir comme un caca, d'accord. Mais je mourrai avec mes convictions. Ça, c'est pas rien. C'est à vous. Décider. Enfin, de piffer. Pour être un poulet. J'ai les sauts, merci, bravo. Donc j'ai... Ah là, mais du coup, j'ai 5 sauts, non? Vu que j'en avais un troisième déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Incroyable. 5 sauts. Donc là, c'était le speedrun. Non, oui, c'est là. Nous sommes en retard. 3 minutes 15. Qu'est-ce que je fais? La merde, visiblement. Ah oui, les verts, ils sont là. Ah, mais ils restent à cet étage-là. Mais ce sont mes amis. Bon esprit, merci pour l'argent. Bravo, Gun Fatal. Tu as été incroyable. C'est sûr que tu feras un poulet exemplaire. Ah oui, c'est ces pièges que je n'utilise jamais. Va dans mon piège. Viens dans mon duplex. Ah, je vous l'ai pas fait écouter, celle-là de Francky Vincent. Elle est moins connue, hein, viens dans mon duplex. Bon allez, quand on aura terminé cette partie, on se fera un petit viens dans mon duplex de Francky Vincent. C'est la deuxième fois, Gun Fatal? Ah oui, c'est pas impossible. Quel talent. Alors que je me fais empoisonner. Alors que le scorpion de ses morts. Putain, mais les pièges, c'est tout claqué, hein, vraiment. Waouh, merci ZNK pour les 500 bitcoins, merci beaucoup. Le piège a fonctionné, mais comme un con, j'ai bourré. Et si je bourre, je peux pas bourrer accroupi la dague rapide. Beaucoup de dégâts un peu stupides d'encaisser. Je vais pas chercher mon caractère. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. My body is ready. Tac. Il n'y a personne. Petit bâtard. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu accès au boss tout à l'heure là? C'était de la full moule ou on a fait des trucs qui ont. Fait que ça s'est débloqué. Ah, enfin un bouquin. Enfin, j'ai balancé les pièges mais c'est peu probant. Je commence à avoir mal. C'est le livre de la commu. Hein. Mais je veux aller là-bas. Je veux aller là-bas, c'est trop cruel. Et bordel de bite. Je vais prendre le soin. Je demande un soin à Gun Fatal. Merci, Gun Fatal. Les dagues jumelles 2, mais c'est pas ce que j'ai. Moins 25% de dégâts sur cible étourdie. Alors, est-ce qu'on peut comboter les deux? Comment ça se passe? Si je fais Y et X. Pas du tout, hein. Cherche une synergie qui n'existe pas.
Certains boss pris dans le piège ne se retournent pas. Ah. Merde. Super. Ma vie est dégueulasse. Ah, et putain, ça fait tellement mal ça. Je joue mal. Et je l'ai vu. Heureusement, prise au piège. Mais genre. Qu'est-ce qu'il fait? La merde. Visiblement. Regardez ce piège incroyable. Ça, il a pas balancé son piège. Je me fais ouvrir. Il a pas balancé son piège. Je te sais mort. Balance-le ton piège. Pourquoi il veut. Il veut le balancer seulement quand il est sur la plateforme. Ah, et Gun Fatal qui anticipe. Et ma foi, il n'a pas entièrement tort vu que je joue comme une queue. Oh, je suis dit, j'ai tellement mal à mon moi. Je joue comme une queue. Faut que ça cesse. C'est vrai que la mort est proche. Bah surtout si on me propose de faire le boss de ces morts là. Et là il y a deux signes. Tout à l'heure il y en avait un, deux, trois, je ne sais pas. Le problème c'est qu'on trouve très rarement des soins quoi. Donc il commence à avoir une sacrée odeur de cul. Il est dans le piège ? Il est dans le piège. Et bah ça m'empêchera pas de me faire défoncer ! J'ai 8 points de vie, et je le vis bien. On va jouer torche de lancer vu que je suis sur brutalité. Mais bon, c'est la fin. Ah d'accord, aussi loin que ça. Ça rebondit pas. Et moi. Reste frais. Ah, vous m'avez mis survie, comme ça j'ai gagné 4 points de vie, c'est. Faut boire la force, la brutalité, je sais pas. Ok, on a trouvé les toits. On pourrait s'en aller tout de suite, hein, pour survivre. Mais ah, mais là, il y a le mec pour faire le boss, mais d'un autre côté, je vais pas faire le boss avec 20 points de vie, quoi. Donc tant pis, ça sera pas pour ce run-là. Ils m'ont monté la survie, putain, mais. Allez, go. Bravo Mickey. Merci Lopopold, 66 pour le Prime, Max Bod, Nox. Merci. C'est quoi encore jump, sinon de la merde. À vous de voir. Vous m'avez de la survie à mort, donc PV30 ou Nécro. La nécro. Ah, j'aurais pu prendre PV30, mais là 666 ça commence à être confortable. Quoi, je dis ça, tout à l'heure on avait 2000 quoi.
Ah oui, j'avais vu le truc sur les pièges, ok. Vous m'avez donné les sauts, merci. Wow. Merci FGQ Fast Glee pour les 500 bitcoins. Tu comptes refaire du Slazy Spire ou... Oui, à l'occasion, j'attends un petit peu là, on en avait fait beaucoup. Ça, j'avoue que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué, donc sauf beaucoup de choses ont changé. Oh là là, mais merde, le mec d'en bas, c'est vrai. Alors si je pouvais éviter de perdre tous mes points de vie maintenant, tout de suite, dès le début, ça serait vraiment sympa. Quoi? Ah oui, quand je la jette, je suis debout. C'est bon à savoir. Oh là là, j'ai appris tellement cher. Quelle vie. Grâce à mon quintuple saut. Ah cool, de la vie ça. Hop, petite brochette. Ah, je peux les balancer comme ça, genre... Ah oui, non. Putain, on n'a pas eu l'oiseau qui attaque, c'est tellement fort. C'est le truc le plus ouf, l'oiseau qui attaque. Ça fait un moment qu'on l'a pas eu. D'accord. J'ai pas eu peur. Mais ma vie, c'est de la merde. C'est marrant qu'on se tape encore des sbires pareils. Mais pourquoi je... Dit-il en esquivant plus, quoi. Mais non, mais évidemment, mais j'étais en train de balancer... Oh ! Oh là là, mais je me fais défoncer par les sbires de merde, justement. C'est fatigant, cette histoire, hein. Ne nous soignons pas tout de suite, il y aura peut-être une bonne nouvelle à un moment dans ma vie. Voilà, c'est pas terrible, hein. Ah, une porte. Tapons là, tapons la porte. La porte 3. Ah oui, donc c'est ça. Mais j'ai loupé la 1. Donc faudrait dans un run faire un 2, 3, il se passera peut-être quelque chose. Attention, ça va être à vous de jouer, hein. Je sais pas si ça va être pif, paf, poc, bang, boum, broc. Oh, vous avez été au taquet. Oh, oh hein. Piège à loup 4. Des vers sortent des victimes. Très bien. Nous avons deux pièges à loup. Un jour, peut-être, j'utiliserai mes pièges à loup, je vous le jure. Là, il serait temps. Ah, ces trucs là, bordel. Oh putain, la salle de speedrun, regardez comment elle était belle. Ils ne l'auront pas. C'est quoi ce petit trou, c'est normal ou... Hmm. Je me suis pas téléporté. C'est vrai. C'est chiant. En fait, ce qui était bien avec l'arc, c'est que je pouvais rester accroupi, ce qui n'est absolument pas le cas. 7 minutes et 45 secondes de retard. Ce qui n'est pas le cas avec le lancer de torche. C'est ça que j'ai la nécromancie plutôt cool hein. Pour me soigner petit à petit tant bien que mal. Mais c'est sérieux. Ouais mais voilà, je repère tout avec juste une touche de ce mec là, dégueulasse. Ah là ouais non mais je vous dis bien. Là, à mon avis... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il faut pas spammer l'attaque en l'air, c'est full beat. On va demander un petit soin à notre ami Exy. Notre poulet d'amour. Je pense que oui, on sortira du podium. Hein, c'est Alderiat là qui est revenu, qui fait des gros chiffres. Mais les stats de Lean par chat, grâce à ce stream, tout est possible. Ah, visiblement, on veut pas nous soigner. Exy, tentative 2. On essaie d'établir... la connexion avec Exy.
Xi, si tu nous entends, soigne-nous. Attendez, je vais essayer de laisser appuyer. Non, ça ne fonctionne pas. Nous allons avoir besoin de l'aide d'Exi. Exi, excuse-moi de ne pas t'avoir mentionné plus tôt. Mais tu es le poulet. Donc si tu pouvais nous soigner. Je t'en serais gré parce que ça commence à être chaud là. Ah bah voilà la 2. Et bah que dalle. Tiens, entre alors. J'y croyais tellement. Exi, si jamais tu veux un petit soin. Hein, ça serait super cool. Hein. Il est plus là? Il est pas sur le chat? Mais sa race de ses morts. Très bien. Le tranche ligament 4, il fait plaisir. Hein. Mais en même temps, j'ai 0 en technique. Donc piège à loup, c'est survie, semble-t-il. Restons sur piège à loup. Du coup, celui-là est 4. Plus 100% de dégâts sur cible empoisonnée. Bon, j'ai que ça à faire de mon pognon en même temps. Hein. Remplacer le piège à loup 2. X13. Oh! Merci, X13. Ah, c'est parce que j'avais mal prononcé ton pseudo. Excuse-nous, X13. Ah, mais oui, en plus, oui, bien sûr, d'accord. C'est parce qu'il le mettait tout en... Il est tout en main minuscule sur le jeu. Il est de retour, il était au cabinet. Ah! Un jour, j'utiliserai mes pièges, je vous le jure. Alors que c'est le moment du grimoire. Bon, la technique sert plus à rien là, hein. Survie ou bourrinage, au choix. Nos armes sont en bourrinage, les pièges sont semble-t-il en survie. Ah bah de toute façon, il y a que brutalité ou tactique, donc oui, le choix est vite fait, j'ai pas vu. Merci à vous. Mais quel connard. Mais on m'appelle Rodé connard. Mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, incroyable comment j'ai réussi à me faire surbolosser sur une salle anecdotique. Attendons avant le soin, hein, sait-on jamais. Parce que derrière j'en ai pas. Hein. Regrimoire, cette fois-ci, triple choix. C'est que ça. Ok. L checkpoint. Rien d'autre. Très bien. C'est la survie, d'accord. Le jour où j'utiliserai mon piège, quoi. Putain, mais ça balance tellement loin, je m'y ferai jamais. Ah bah voilà. Pourquoi se prendre la tête? Ils font beaucoup de plaisir. Oh la mouche qui pète là, si on pouvait. Non mais sérieusement la mouche qui pète. Je me suis gouré de boutons alors je voulais faire la roulade. Voilà pour faire ça. Désolé pour le retard, pas de soucis. Non, ce serait à moi d'arrêter de faire de la merde en barquette. J'hésite à aller dans ces trous mais visiblement il y a vraiment rien. Another grimoire. Triple choix, brutalité, survie, soyez lucide, l'un ou l'autre. Je compte sur vous, la commu. Le problème, c'est que je demande pas le heal parce que j'ai envie, je crois, en pouvoir de trouver quelque chose. On est d'accord que ça, je peux pas. De toute façon, il faut la rune de l'autre con. Du coup, je n'irai jamais là. Moi, bon, j'ai quand même demandé le heal parce que ça pue le sexe. Mon cher Express. Ah, au taquet cette fois-ci, hein, merci. On a 1100 points de vie, hein, pas mal. Vous avez choisi cette fois-ci de bien me bourrer en points de vie. C'est fort agréable. J'ai tant d'argent. Oh le plan cul. Hop, hop.
Dans ces cas-là, les pièges sont pas mal hein, quand on descend d'une chaîne ou d'une corde. C'est marrant, ça brûle pas. Parce que c'est la pierre ou il y a une vraie raison là? Ouais, c'est juste ça. Ouais. J'avais pas fait gaffe en fait. Allez, ces runes là, je peux rien faire, c'est dégueulasse. Mais sérieux, j'avais roulé, mais ma fille, c'est de la merde. Mais non. Mais oui. Allez, on y croit, on y croit. Midbar. Le livre de la commu. Brutalité ou survie. Ah, génial. Je peux pas me faire troll. J'aime. Même en mettant le... El famoso pont noir, y'a plus rien à faire. Merci pour la brutalité. Si, y a encore des trucs à faire éventuellement par là. On va gratter un maximum, hein, vu qu'on est sûr de mourir a priori. C'est ça qui est beau. Avec les pièges à loup, je demande à voir hein. C'est le feu d'artifice en tout cas. Cuit cuit. Il y a un truc là. Mais ça c'est débilo ce bouclier qui sert 2 secondes quoi. J'aimerais qu'on me respecte à un moment. Grenade étourdissante. Ah non mais c'est la TP qui va me permettre de revenir safe. Ok, je suis un connard. Mes excuses. Pas de truc en bas, non. Ça paraît peu probable. C'est déjà la fin là, je vais me faire ouvrir le cul, c'est ça? C'est maintenant? Je pourrais baisser le cooldown de mes pièges. Je pense que ou bien je prends PV30 ou le... Ah, je peux plus prendre le YOLO, d'accord. Donc, PV30 ou le cooldown des pièges. Non, on va prendre PV30. Hein. Et on va espérer que les pièges soient efficaces contre notre ami le concierge. Attention, qui sera le poulet du dernier boss. Soyez décisive, hein. Décisif si vous êtes. Soyez au taquet si vous êtes le poulet du dernier boss. 1618 points de vie, 600 brutalité et survie, les 2 stats dont on a besoin pour notre équipement, qui est pourri, hein. Vous vous rendez compte qu'on avait des trucs 4 ou 5 légendaires qui faisaient 40 milliards de DPS, là on a des armes de Clodo. Mais on a la foi. Allez, le poulet, c'est GeForce N. Eh bien, sois au taquet. Je compte sur toi.
Pourquoi il est passé, pourquoi il est repassé devant? Pourquoi ma vie c'est de la merde? Oui d'accord, il... ah le piège, ah c'est infini. Quel plaisir. Oh, sinon je fais ça, c'est lamentable mais ça marche. Ça me plaît. Merde. C'est la deuxième phase qui me pose problème en fait. Mais non, mais c'était pour éviter, connerie. Voilà, c'est là. C'est là que ça m'emmerde. Oh là là, il anticipe. Pas mal, pas mal. C'est un bon heal. Ah putain! Ah d'accord, c'est à balancer quand il va me faire son attaque de mort. Demandez mon heal là. Attends, il m'avait soigné. Et j'ai pris aussi cher que ça. Non mais là j'avais un armement de clodo. Mais c'est con parce qu'il fallait que je fasse en réaction. Et puis j'aurais dû être plus patient en fait. Il est pas passé le heal. Oh quelle vie. Il est minuit. C'est la fin de cette séance de torture. Mais on a bien ri, du coup j'y reviendrai, d'autant plus que la date de sortie finale du jeu est très proche. Donc je m'étais dit que je me réservais pour l'approche de la sortie, la vraie sortie. Eh bien on y est, on y arrive. Ah j'ai oublié de vous prendre la cassette. Terrible, la cassette audio. Bref, voilà, donc je vous le rappelle une dernière fois, jusqu'à lundi 21h. Il est à moins 45% sur GOG avec mon lien affilié, sinon la moins 40%. bit.ly/mvdcgog en majuscule et également le lien en dessous pour toutes les grosses promos agressives made in France et on va se quitter avec un petit Francky Vincent mais ça c'est pas pour YouTube, on a pas envie de se faire strike, on adore Francky. Merci Kido Kid qui a offert un sub à X13 pour ses vaillants services de poulet. Des bisous YouTube, au revoir.